Le 14 août et je suis en train de déprimer. Il est pas déprimé, mais quand même un tout petit peu. Là, il est 23h51. Bientôt, on sera le 15 et j'examen le 16, deux examens, biophysique et microbiologie. Et puis après, j'aurai examen le 17, physiopathologie, qui est encore beaucoup plus grand que biochimie, qui vaut 10 crédits, qui est chiant. Et après, j'ai d'autres, juste après physio encore, mais c'est horrible. Pourquoi ils nous ont fait ça à notre université? Pourquoi ils sont aussi mauvais? Non, mais je suis désolée. J'essaie de bosser et tout. J'ai bossé ce matin, mais je sens que je fais pas assez. En fait, je bosse pas beaucoup. Je suis fatiguée. Bref, on l'inclura. Je sais pas comment je vais l'inclure, dans quelle partie de vidéo, qu'est-ce qui va se passer comme contexte, mais je vous assure. Mais je suis vraiment en mode PLS ma vie, quoi. Genre là, j'essaie de bosser depuis un moment, mais encore, il est plus avec moi. Il refuse de participer. Je suis même lourde. Je vais vous laisser. Je vais tout simplement me concentrer sur. Je vais essayer de bosser biophysique ce soir parce que j'ai bossé microbiologie, j'ai bossé. Si je réussis pas mes études, hein, vraiment. Là, si je réussis pas une bonne partie de cours, mais vraiment, je vais péter un câble. Hein. Je dis ça comme ça et puis quand il y aura les résultats, je vais chialer. Mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. On repart. Une heure. On bosse à nouveau. Prend sa douche. Cours de néerlandais. Enfin, exercice de néerlandais, dodo quoi. Le lendemain, reprendre, permis, aller chercher des trucs. Et puis après, ne pas peut-être avoir le temps de bosser, ne pas avoir le stress. Aller à l'examen et réussir, j'espère. Pour un nouveau jour, j'ai toujours l'air très déprimée dans ces vidéos, mais vous inquiétez pas. Je vis, je survis et je survis. C'est la phrase. Prêtez pas attention au studio, hein. Je dois déménager et c'est bordélique et c'est les examens et je vais pas mentir. Je me suis promis que je n'allais pas nettoyer parce que je me connais. Quand je nettoie et qu'il y a une tache quelque part, ça me saoule. Donc là, je préfère m'adapter avec ça, m'acclimater avec ça. Et puis j'y vais le bordel. Hein. Il y a le petit truc là qui est par terre, mais bon, c'est pas grave. En train de stresser pour biophysique parce qu'il faut que j'étudie. Je suis allée chez ma mère, je reste un bon moment. Là, il est quelle heure? 19h30, j'ai toujours pas bossé depuis que je suis rentrée chez ma mère, je suis rentrée il y a une heure. Et j'ai regardé des vidéos de personnes qui jouent au tennis. Il faut savoir que je joue au tennis, enfin, je regarde souvent les matchs de tennis, enfin, j'adore le tennis, on va pas se mentir. Et j'ai décidé que j'allais reprendre le tennis aujourd'hui. J'étais comme ça dans mon lit, j'étais en mode pourquoi pas reprendre le tennis? Donc je me suis inscrite au cours, enfin à mon ancien club. Et puis voilà, donc sur un coup de n'importe quoi, je reprends le tennis l'année prochaine. Je ne connais pas mon horaire, mais je reprends le tennis. Et je n'ai pas encore réussi mes examens, je ne sais même pas comment je vais me sentir, mais je reprends le tennis. Et je me dis, j'avais une envie d'acheter un piano. Demain avec Physiopato, qui sait, je m'achète un piano. Et après-demain, enfin, le prochain examen, j'aurai une envie d'aller au Japon et m'enfuir. Et je pense que j'irai. J'adore. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais. Bref. Regardez, hein, mon support de travail. Ah oui, j'ai mis ça. Sur... Je vais pas vous montrer. Non. Il y a des choses, ça se montre pas. Mais je travaille comme ça sur mon tapis. Et puis voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? Ma plante, ma meilleure amie. Viens. Bisous, bisous. Je suis fatiguée. Et en plus, je vous vlog juste pour oublier que j'ai examen. Le stress. On va y aller, je vais bosser. Donc maintenant, ok. Attendez, ok. Au lieu de travailler, je me suis dit, meuf, on fait de la guitare. Vous voyez, c'est comme ça que je suis en fait. Quand je suis stressée, mon esprit divague. Déjà là, enfin, je pense que j'ai parlé du fait que j'allais m'inscrire au tennis. Là, aujourd'hui, j'ai aussi repensé à aller à la boxe à nouveau. En fait, tout d'un coup, le stress m'a emmené à recontacter des anciens contacts en mode, les gars, vous vous souvenez qu'on a fait ça? Venez, on va le refaire pour l'année prochaine. Voilà, quand je stresse, je me projette dans le futur. Hein. Mais là, je me suis dit, on va rester dans le moment présent.
Et on va essayer de jouer de la guitare. Ce n'est pas un son élaboré, c'est rien du tout. C'est juste moi qui va jouer des cordes, donc je vais vous faire partager. J'espère que ce n'est pas une musique et que YouTube va me démonétiser à cause de ça. Qui sait? C'est un peu sonnerie, mais on va aller. C'est dégueulasse. On va y aller. Qu'est-ce qui passe les accords? Voilà. N'importe quoi cette musique. 6h du matin et on est le 16 août. Donc jour d'examen. Mais moi, j'ai décidé qu'avant d'aller faire quoi que ce soit, parce que quoi que ce soit d'examen, oh sorry pour ma voix, je dois aller courir. Voilà. Donc là, je suis en train de m'habiller pour aller courir. Et voilà. L'ambition comme ça.